Salut les tisseurs de fibres, je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mes 5 aliments fitness que je considère comme une grosse arnaque. Soit parce qu'ils sont trop chers, soit parce qu'ils présentent des inconvénients nutritionnels, soit parfois et souvent pour les deux raisons réunies. On va commencer avec le lait, entre guillemets, de riz. Alors lait de riz, mais il y a aussi le lait d'amande et le lait d'avoine. De quoi c'est composé? D'eau, de riz, jusque-là tout va bien, d'huile de tournesol, de malt d'orge et d'un épaississant qui est la farine de caroube. On trouve ça en moyenne pour 2,50€ le litre. Les inconvénients nutritionnels de cet aliment-là est premièrement qu'il présente un index glycémique très élevé en raison de la réduction des molécules de riz et également des farines présentes dans ce produit. Ça n'a rien à voir avec le lait de vache ou le lait animal en général. Il est très pauvre en protéines et beaucoup trop riche en sucre. Et enfin, en raison de la présence d'huile de tournesol, son rapport oméga 6 sur oméga 3 est très défavorable. Vous pouvez remplacer ça par du lait de soja, plus de protéines et des graisses de meilleure qualité. Vous pouvez remplacer également, au lieu de prendre 1 litre de lait de riz, vous prenez 100 g de riz que vous cuisinez, que vous chauffez, ce sera beaucoup moins cher et vous aurez beaucoup plus de nutriments et moins de saloperies, excusez-moi le terme, présents dedans. Vous diminuerez le prix de 40% si vous optez pour le lait de soja et 90% si vous remplacez le lait de riz par du riz tout court. On va parler maintenant des gainers. Alors la liste des ingrédients dans les gainers est assez longue, je vais juste vous signaler la présence de maltodextrine et d'édulcorant. On trouve ça sur MyProtein pour 23€ le kilo, c'est vraiment pas le plus cher qu'il existe. Les inconvénients, la maltodextrine présente dans les gainers a un index glycémique haut. Alors comme pour le lait de riz, on va avoir comme conséquence du diabète et de l'obésité. Le sucralose, qui est l'édulcorant, réduit les bonnes bactéries présentes dans le milieu intestinal, sans réduire les mauvaises bactéries. Il va perturber également le niveau de glucose sanguin et d'insuline. Par quoi est-ce qu'on peut remplacer par les gainers? Tout simplement par un gainer fait maison. Vous mettez une portion de whey pour 3 portions de flocons d'avoine. Ça va vous coûter 8€ le kilo au lieu de 23€, soit une réduction de 65% du prix initial et ce sera beaucoup plus sain. Vous pouvez également remplacer la whey par de la whey biologique, ce que je fais moi, et ça vous reviendra quand même beaucoup moins cher à 16€ le kilo au lieu de 23€ le kilo. Troisième aliment, les capsules oméga 3. Elles sont composées à 100% d'huile de poisson. Donc là-dessus, il n'y a aucun problème au niveau de la santé et de la nutrition, c'est parfait. En revanche, le prix est de 178€ le kilo. C'est ce que j'ai constaté une nouvelle fois sur MyProtein. Ce que je vous recommande, c'est tout simplement, plutôt que de prendre une capsule de 100 mg, vous prenez 1,3 g d'huile de lin. Ou plus simplement, si vous prenez 4 capsules d'un gramme par jour, vous remplacez ça par une cuillère à café d'huile de lin. Vous diminuerez le prix de vos oméga 3 de 85%. Quatrième aliment, soi-disant fitness, le pain sans gluten. Je vais vous passer la liste des ingrédients, qui est longue comme mon bras. Le prix est de 11,50€ le kilo, prix constaté en moyenne chez Auchan. Alors les inconvénients, ils sont nombreux. Le mélange amidon de maïs, de riz, la farine de riz, le sirop de riz et le sucre a un index glycémique énorme, donc une nouvelle fois diabète et obésité. Il y a également un cocktail d'additifs alimentaires qui, quand ils interagissent les uns avec les autres, peuvent créer tout un tas de troubles pour le corps, dont le cancer et beaucoup d'autres encore. Ce que je vous recommande, c'est de remplacer par du pain traditionnel, tout simplement si vous n'êtes pas allergique ou intolérant au gluten. L'idée, c'est pas forcément de suivre la mode, l'idée, c'est de penser à sa santé, à la planète et à son portefeuille. Vous pouvez également remplacer, si vous êtes intolérant au gluten,
par des galettes soufflées, des poutres et de son d'avoine. Les économies, si vous prenez du pain traditionnel, vous économiserez les deux tiers du prix initial. Et si vous optez pour les galettes soufflées, vous allez économiser à peu près la moitié du prix initial. Pour terminer, les bêtes goji. Elles sont composées à 100% de bêtes goji déshydratées. Donc là, une nouvelle fois, aucun souci nutritionnel. Les bêtes goji sont très riches en vitamine A et également en vitamine C. Mais le problème, c'est que ça coûte 50 euros le kilo. Et encore, ça c'est le prix constaté chez Auchan, il y a des endroits où c'est beaucoup plus cher. Ce que je vous recommande, c'est que plutôt que de vous prendre par exemple une cuillère à soupe de bêtes goji, vous remplacez par 100 g de poivron rouge. Ça vous coûtera 40% moins cher, mais également le poivron rouge est beaucoup plus riche, 10 fois plus riche en vitamine C que les bêtes goji. Donc vous allez faire une grande économie financière, mais vous aurez un intérêt nutritionnel en plus. De temps en temps, on peut avoir envie de se faire plaisir. Donc à ce moment-là, effectivement, consommer l'un de ces différents ingrédients, sauf que j'imagine que le pain sans gluten et les capsules d'oméga 3 et le gainer également, ce ne sera pas vraiment pour se faire plaisir. Nutritionnellement, en vitamines, en minéraux, ce sera meilleur pour vous et ça vous reviendra nettement moins cher que des aliments mode, tendance, comme les bêtes goji ou le pain sans gluten. Je vous invite à liker, à commenter et à vous abonner à ma chaîne. Dites-moi, vous, si vous avez des aliments que vous considérez comme moi, comme des grosses arnaques, et je ferai, si ça plaît, une nouvelle vidéo avec d'autres aliments. Voilà, les tisseurs de fibres, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne alimentation, une bonne muscu. À la prochaine vidéo et restez libres.